Les soigner en automatique. Ah putain, j'ai même pas. Putain, en plus ça bug. Alors, il me faut plus d'argent là. Donc lui, il faut tout de suite que je le transforme en marchand. On est full là, donc il faut qu'il construise aussi une maison de plus. Sauf que j'ai plus d'argent pour faire des maisons. C'est bien sympathique, mais ça s'explique pas très bien quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, transforme-toi en marchand, on va commercer à côté. Ah. Ah, nécessite d'apprendre du commerce. Par contre, ça veut dire que... Ouais, parfait. Bon. Tant pis. Ouais, pas toujours évident. Mais il s'est fait tuer, mon... Ah oui, d'accord. Réparer. Heureusement que j'en ai, hein. Putain, fait chier. Ah, vite, réparer. Moi, je suis combien? 2 sur 2, ok. On va améliorer direct. Et on va mettre un troisième. Bon. Lui, c'est quoi? Bûcheron. Ce bâtiment est plein. Et ce bâtiment? Il bûcheronne où lui? Construire un silo. Oh, on va faire ça. Allez, on va essayer. Oh, ça va passer. Pouvoir récupérer ce truc. Merde, il se fait... j'en ai un qui se fait tuer. On va acheter. Non, 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 non. Hop là. Envoyez un éclaireur explorer cette épave, vous trouverez. Ok. Alors. Non, c'est celle-là. Oh. Non, c'est celle-là, putain. Je me trompe. On va refaire un guerrier. On va aller piller ça. Toi. Tu reviens là, et toi,
Tu me fais une mine. Pierre, 42 pierres. Bref, parfait. Il me faudrait. Brasserie, dracar, marché. Ok, qu'est-ce qui me manque? Un champ, pavillon de chasse, cabane de pêcheur, comptoir, bergerie, tour de défense. Ok. Allez. Commerce. Aïe. Hop là, parfait. C'est quoi ça? C'est la mine? Oui. Ah, je suis à moins 8. Non, on va continuer un petit peu quand même. Il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. On va te faire repartir villageois, toi. Ouais, quand même. Ah, une année, mon clan. La classe. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin. Choisissez une ressource de vos marchands viendront pour gagner des. Choisissez la ressource que vos marchands vendront. Bois. Avec Holger. Bim. On va améliorer un petit peu nos relations. Silo. Parfait. Un petit peu plus de nourriture. Tan. Parfait. Allez. Vas-y, fonce. En termes de bois, j'ai largement ce qu'il faut pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la détruire. Hop là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir reconstruire ici? Marché, brasserie. Forme vos villageois au métier de brasseur afin d'augmenter le bonheur de votre clan. Je vais faire ma petite brasserie là dans le coin. Voilà. Hop là, les températures sont particulièrement basses cette année, la tempête de neige nous frapperont sans doute, en cet hiver nous devrons augmenter. Ok. D'accord, donc il va falloir beaucoup de ressources. Notre clan peut se. Plus de maisons. En effet. Construction de maisons. Je peux peut-être faire une autre bergerie aussi. Ouais, mais. Putain, si je dois faire une autre bergerie. Faut que je récupère cette zone. Ah, en plus, gisement de fer. Ah oui. Alors.
Est-ce que... J'ai assez d'argent dans l'immédiat. On va se créer deux de plus. Oh putain de la pierre. D'ailleurs, la batterie est terminée. On va envoyer quelqu'un là. Et là, allez, on va faire la guerre ici. Combien ça coûte ça? Allez. Le but, c'est de vider ces coins. Allez. Putain, il tape toujours le même, quoi. Ah bah cool. Hop là. Allez. Je pense que je vais me faire défoncer cette fois-ci. On va tenter. On va tenter. Merde. Oh, ils vont peut-être y arriver, hein. Ouais. Allez, quoique. Non, c'est bon. Allez. Ah non, il y en a deux. Oh putain, de pas grand-chose. Allez, deux guerriers. Allez, go. On va les défoncer, qu'on puisse racheter le truc. Du coup, je suis plutôt tranquille là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire? Bergerie. À la limite, je peux construire la bergerie ici. Voilà. Ah, je peux améliorer la bergerie ici. Ah non, alors j'annule. On annule. Et le mouton, on va le mettre là. Parfait. Plus 41. En termes de bouffe, ça sera très bien. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est peut-être construire un champ. Nécessite terre fertile, et ça, j'en ai pas. Ok. Donc, peut-être que j'y installe une mine. Une mine! Bon, bah du coup, je suis plutôt tranquille avec eux, donc je peux les renvoyer là. Ah. Réduit la consommation de nourriture. Vos mineurs extraient 50% de ressources supplémentaires par gisement. Ça, c'est intéressant. Parce que gisement se périsse. Tout casser au bout d'un moment. Fichier. Allez, fonce. Construire. Une autre mine aussi ici. Allez, parfait. C'est quoi ce bâtiment? Notre éclaireur a été blessé en explorant une zone. Ouais, mais ça, je suis obligé de laisser. C'est des zones que je pourrais pas récupérer. Parfait. Ah, mais c'est comme ça qu'on les recrute, les érudits. Bah, vas-y, érudis-toi, quoi. Non.
En fait, tu reviens là. C'est le guerrier que je vais aller. Putain, je savais pas qu'en fait c'était des trucs que je pouvais faire de base. Maîtres du savoir ancestral, ils peuvent étudier des pierres uniques et ainsi enrichir les connaissances. Ok, plus 11. Bon, c'est cool. Et toi, tu vas miner. Et on va en prendre un deuxième. Pour l'instant, de la bouffe, on en a. Ce qui est très important, c'est de continuer à en avoir un maximum. Bois, on est bien aussi. Pierre, on va pouvoir améliorer quelque chose. Quel endroit on pourrait améliorer? Ouais, on va améliorer ça. Les maisons sont améliorables aussi. Voilà. On va pouvoir accueillir plus de monde. Et permet d'améliorer les outils de vos unités et d'augmenter leur efficacité. Bim! Bûcheron, mineur, mineur. C'est le plus important. Moins 7 en bois. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un peu plus de bûcherons. Le bâtiment est plein ici. J'ai pas de deuxième bûcheron. Donc. Non. Il aurait fallu que j'améliore. Voilà, parfait. Alors là. Avant de rencontrer Ravenuglash, le ch chef du clan du loup, nous pouvons faire avec eux. Ah, c'est. Bon alors. Putain, c'est blanc! Bon, je vais passer ce moment désagréable. Donc là, par contre, c'est fermé. Mais c'est pas moi qui aurai cette putain de somme de ressources là. Ah oui, putain, lui il est enclavé. Donc lui il est mort. Le bleu. À moins qu'il parte vraiment loin là-bas. Mais je pense. Ah ouais, bah c'est. Et le vert est ici aussi. Milice. Médecin. Améliorer les découvertes, savoir. Vos marchands produisent. Alors, j'ai besoin de plus de ressources. Hop là. Troupes. Chef de guerre. Comment je passe? Comment j'obtiens un chef de guerre? Bûcheron. Bim. Marché, j'ai pas, hein. Voilà, et on prend un petit villageois pour aller le crafter. Comment je. Félicitations, votre clan a survécu assez longtemps pour célébrer une nouvelle année. Bah oui. Ok. Pas tout de suite. Oh putain. Il se fait tuer ici. Donc le bleu, je crois que. Je sais pas trop comment ça se fait, mais. Il est pas dans de bonnes postures. Bon, je vais pouvoir faire un tour d'amélioration. D'abord, je vais recruter.
Voilà. Toi, tu vas être là. Alors, forme vos villageois au métier de marchand. Vous pouvez également dépenser des crocs pour acquérir différentes ressources. Vous pouvez former un marchand supplémentaire. Tous les gens de la zone produiront par ailleurs en plus. Ok. D'accord. Donc, eux, l'avantage, c'est qu'ils produisent des ressources. Je suis max en bouffe. Donc, pour l'instant, c'est bien. J'ai pas besoin de me forcer à en dépenser plus. Construction. Pierre sculptée permet de recruter. Donc ça veut dire que je peux créer moi-même mes pierres. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Drakkar permet d'organiser des raids afin de que votre clan gagne des crocs ainsi que de la renommée ou du savoir. D'accord, silo. Tour de défense. Le truc, c'est que si j'améliore mes maisons, ce qui peut être une très bonne chose, je dois pouvoir y déplacer. Faudrait que je déplace une de mes maisons. 23. Ça fait quoi si je détruis ça? Oh putain. Construire maison. C'est quoi toi? Tu fais quoi? Mineur. Ok. Donc déjà tu retournes comme ça. Et toi, tu vas vite là. Et ça, bah, on peut le détruire. Il sert plus à rien. Du coup, j'aurais pu construire la maison là. Bref. Et bouge ton cul. Oui, un truc de malade. Allez. Allez, c'est bon, j'ai compris. Vous aviez pas de maison. Allez. Allez. Bim. Direct, on améliore. Bim. Direct, on en construit une deuxième. Ah non, c'est full. Non, mais je peux en construire une autre là. Portail qui mène. Alors nous devons impérativement développer nos défenses avant l'arrivée des drogues. Mais ils sont où les portails? Oh merde! Vite. Construction. Tour de défense. Putain, je voulais vraiment. Allez, ça arrive dans combien de temps? Recruter des guérisseurs qui soignent les blessures inédites dans votre clan. Ouais. Parfait. Allez. Toi, guérisseur. On va améliorer quand même. J'ai beaucoup de ressources, donc je peux me permettre.
On va améliorer tout ce qui est améliorable. Voilà. Améliorer. Ah non, il manque du bois pour améliorer. Cette zone est limitée à 2. Ouais, du coup, je peux détruire ça. Toi, je t'envoie là. Toi, je te fais construire une cabane de bûcherons. Voilà. Et on va les bûcheronner là-bas. Allez. Allez, on va faire plusieurs brasseurs. Bon, je sais pas trop ce que ça va faire. J'espère juste que on va bien se débrouiller. Et on sait jamais. Il sert pas à grand chose lui. Hop là. Et hop là. Et on va direct améliorer. On peut encore améliorer les outils. On peut encore améliorer les outils. Marchand, brasseur. Ah ouh. Les guerriers. Ouais, on va améliorer les guerriers. Pouf! Oh, carnage. Ok. Je suis prêt. Donc ça s'est bien passé, on les a défoncés. Du coup, maintenant, en termes de construction. Cabane de pêcheur nécessite des bancs de poissons, j'ai pas. Champ nécessite, ok. Pavillon de chasse permet de recruter un chasseur. Nécessite serre, donc j'en ai pas. Silo, je suis ok. Drakkar. Drakkar. Ok. Ah merde alors. Voilà. Parfait. Ok. Oh putain. Recrutement. Accélère. Assiduité. Les joueurs supplémentaires peuvent être affectés au bâtiment amélioré. Ok. Vos mineurs extraits de ressources. Ouais, ça j'ai déjà pris. C'est ok, milice. Ok, frappe. Obtenu un bâtiment en production de. On va. On va y aller. On va dépenser ici. Ok. Atténue. Baisse de production de nourriture en hiver. Octroi. Débloque tous les dons pour obtenir. Ok. Confrère. On va faire ça en premier. Améliorer outils. Voilà. Et. Voilà. Voilà. On y va. Festoyons, festoyons! Donc ça, je peux acheter ça. Ouais. Bim, améliorer outils. Voilà. Vous permet de construire un bâtiment supplémentaire par zone. Oh! Ah, c'est bien ça, aménagement. Nouveau titre, Jarl.
Bah ouais, mais enfin, du coup. Ah oui, bah du coup, j'ai envoyé personne m'en occuper. Bon, bah on verra après, parce que du coup, j'avais pas d'autre chose. Je suis en train de me dire que ce serait. Peut-être bien de faire un autre comptoir. Pourquoi pas construire comptoir. Et bim. Et bim. Et on va construire aussi une autre maison. On va aller un peu plus loin. Et encore une autre maison pour être tranquille un peu plus longtemps. Oui, go. Prenez à vos réserves. Nous devons porter notre nourriture dans les silos sous peine de la d'avoir. Ok. Un drakkar. Voilà. Impossible d'améliorer les marins. Ah putain. Impossible d'améliorer les forgerons. Impossible d'améliorer les moutons. Chasseurs produisent. Ouais, mais je peux pas. Pêcheurs, je peux pas. En fait, ouais. Lancer un raid. Ok. De la renommée. D'accord, donc on part sur de la renommée plutôt. Villageois. Non mais c'est bon. Ok, et là direct on améliore. Ça c'est amélioré au max, au max. On améliore. Ok. Je vais être tranquille comme ça. Et là, choisir une route commerciale pour. Qu'est-ce qu'on vend? De la nourriture, hein. Et on va la vendre à. Hop là, lancer une route. Parfait. Voilà. Allez, bim. Forge nécessite coulée de magma. Hôtel du roi. Ben, on va amasser, hein. Parce que la cabane de soins, c'est bon. Tour de défense, à la limite. Pour mettre bien. Je peux en mettre une là. Le Jarl. Ok. Non, bah, je vois que de construire. Je vois que de construire des. Comment ça s'appelle? Cabane de bûcheron, camp d'entraînement. Hein. Améliorer. Bon, par contre. Hey, salut Icebreaker! Ça va bien? Par contre. Alors, je comprends certaines choses, mais. Ouais, donc ça fait pas plus puissant. J'ai un souci, c'est que, en fait, le jeu est. Bah, un peu rapide à faire. Parce que sauf si je raconte des grosses boulettes, je suis déjà pas mal avancé en fait sur les possibilités qu'amène le jeu. Hop là.
Nécessite connaissance acquise. Foyer. Réduit la consommation de bois, ouais. Mais après. Hop là. Bim. Ben, il est en développement, donc ça m'étonnerait pas que le jeu soit loin. Enfin, qu'on soit. Comment dire? Qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de possibilités, hein, je dis pas le contraire. Mais j'aimerais comprendre. Je suis quand même loin, je suis le meilleur en renommée, je suis le meilleur en commerce, je suis le deuxième en sagesse. Mais après. Je peux. Ouais, je peux en mettre plus. Donc. Oh. Voilà. On va mettre des villageois, faut pas avoir peur. On peut pas? Bâtiment est plein, bâtiment est plein. Mais j'en ai un qui. D'après ce qu'il me dit. Don de Dieu, érudit actif. Ouais, bon, je pensais. On peut se construire une pierre. Voilà. Après tout. Oui, non, mais je m'attendais pas non plus à un truc énormissime. Après, je sais pas, en fait, s'il faut, je peux me mettre en guerre. Après, voilà. Là, il y a quand même une ouïarde à tuer. Hein. Et je peux pas m'y connecter, putain. Je peux pas m'y connecter. Et le problème, c'est que j'ai pas de coulée de lave où je suis. Je peux pas fabriquer de forgeron. J'ai pas de coulée de lave. J'ai mes éclaireurs, ils sont faits défoncer, donc je peux pas pu aller plus loin. Bon, de toute façon, il va falloir un éclaireur de plus, ça c'est sûr. Hop là, en mode auto. Toi, tu redeviens un érudit. Voilà. Ok. Bon, j'ai bientôt fini de tout miner ici. Bon, ça veut dire que par contre, va falloir que je me calme en mine. En minage. Il me faut du savoir. Mort! Savoir, mort, mort. Je suis en retard sur le savoir. Non, je l'ai pas testé. J'ai même pas pensé à voir avec Games Planet s'ils pouvaient me l'offrir ou pas. C'est vrai qu'après tout, c'est ça aussi d'avoir un partenariat. J'aurais pas demandé. Hop là. Interrompre le raid. Je sais pas si en interrompant le raid. Ouais. Bon, par contre, j'avais une construction que je voulais faire. Hôtel du roi. Allez, bim. Non, non, mais. Reste là. Toi. Viens ici. Bon, t'as vu Icebreaker, je t'ai remis une petite phrase, le top du top. Bon, j'ai pas trouvé de le faire de base avec le jeu. Enfin, avec le jeu, avec Tipeee Stream. Donc, je l'ai fait à la main. Je sais pas trop si je pourrais réaméliorer le truc. Je sais pas pourquoi ça s'est effacé d'au-dessus. J'ai pas compris. Construction. Ok.
On va améliorer le son. Parfait, en tout cas. Je suis en train de me demander aussi si je vais pas reconstruire. Falloir que je parte en guerre, hein. Et on va renclencher le raid. Voilà. Bon, je suis repassé devant. En termes de bouffe, je commence à réduire pas mal là. Je suis à l'aise en termes de bois, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre quelqu'un qui faisait de l'argent pour le remettre au niveau de la bouffe. Et les prochains, on va les utiliser pour aller, ben, je pense, guerroyer. Hein. On va pas avoir le choix. Ouais. Je vais absolument pas avoir le choix. Mais il va falloir que je parte en guerre. Moi j'aurais pas le temps, à moins que je pense à le mettre en téléchargement cette nuit. Mais j'aurais pas le temps. Oh! Ah d'accord. Colonisé. Colonisé. Instant. Non mais oh. Réparer. Mettre mes villageois dedans. Non mais oh. En termes de bouffe, je vais être juste. Alors, je peux vendre du bois avec. Voilà. Choisir. Vendre du bois. Voilà. Par contre, du coup, ce qui va se passer, c'est que, pour être bien, je vais me protéger ici. Ouais, j'ai pas assez. Hop là. J'ai un et deux. On va en mettre un ici. Hop là. On va améliorer. C'est parfait. Maintenant, on construit une tour de défense. Hop là. 340. Pavillon de chasse. Allez, 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 que je puisse récupérer. Ah, putain. Bon. Bon, ça me fait au moins un pied ici. Dès qu'il est fini, je mets ce qu'il faut ici aussi.
non, mais. Je crois que. Je crois que tu t'es cru chez mémé, toi. Hop là. Ah, je peux pas faire deux fois? Ah si. Hop là. Hop là, toi tu viens là. Tu m'en mets une ici. Eh ben, justement, je cherche. Alors, bâtiment. Ensuite, je m'en fous un peu. Mais je vais quand même mettre quelqu'un dedans. Justement, c'est en fait c'est ceux qui ont fait Evoland. Donc, sur la base, je pense qu'ils veulent reprendre l'évolution des jeux et montrer un petit peu une évolution de ce style-là. Mais je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire ou comment ils ont voulu le faire. Donc, c'est pour ça que je cherche à tester. Après. Je trouve pour l'instant qu'il n'y a pas beaucoup de sans faute. J'ai juste peur d'une chose sur la fin du jeu. C'est juste sur ce principe-là en fait que je reste un petit peu perplexe. Augmente la puissance d'attaque de vos unités militaires, augmente la production de viande de vos chasseurs. Parfait. Donc ce qui est très bien étant donné que je vais faire une cabane de chasse pile poil là. Hop là. Gisement épuisé. Ah, il n'y a plus de gisement. Donc là, le principe, c'est de les renvoyer là. Voilà. Et lui, il faisait quoi? Lui, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Il n'y a personne à soigner, de toute façon. Là. Hop là. Lui, il va me faire une cabane de chasse. Une cabane pêcheur. Ah, on peut avoir une cabane de pêcheur ici. Ok. Et un membre du clan Saigne. Ah, c'est un de mes éclaireurs. Ok. Bon, toi viens. Oh putain. Et on va faire une cabane de chasse aussi. Ben, le problème, c'est. Moi, ce qui me gêne, Crâne, c'est justement, ça a 10 ans, et ça se voit. Et moi, bah, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal. Je me les suis rachetés et j'arrive pas à y jouer parce que je trouve ça moche, malheureusement. Je sais que c'est pas ça le principe, mais bah, moi, j'y arrive plus, en fait. J'y arrive vraiment pas. Réduit le coût de construction, réparation de votre tour, celle-ci. Ok, héros légendaire, améliore la puissance d'attaque de votre chef de guerre. Bim. Bon, là, je suis très proche de la victoire. Hein. Je suis très très proche de la victoire. Hop là, en termes de ressources. Voilà. Hop là. Après, clairement, ça sent hein, que c'est le début hein, et que ça va s'améliorer. Hop là. Alors là, en fait, c'est un peu entre un mélange de civilisation et d'Age of Empires. C'est-à-dire que tu vois là, toutes les tuiles, c'est à moi de les acheter. Je vais investir de l'argent pour agrandir ma zone. Faut d'abord au préalable que je l'ai fouillé, enfin que je l'ai vu. Putain, il commence à empiéter. J'ai envie de les défoncer. J'ai envie de les attaquer, mais je sais pas comment ils sont grands à côté. Ah, je crois qu'ils sont en train de venir. Est-ce que si je fais ça, je vais aussi me faire attaquer?
Oh merde. Mon but, c'était pas ça. Alors, est-ce que maintenant de faire ça sera un autre intérêt? Parce que est-ce que maintenant je peux les ramener ici? Hop là. Alors là, l'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir... Je l'ai racheté là quand ils ont fait la version HD. Le Edge of Mythology, je l'ai, la Edge of Mythology 2. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi... Hop là. Allez, on les repousse. Gentiment. Il faut que je fasse un max de commerce. Choisir bouffe avec Frey. Choisir bois avec Frey. Et le dernier. Choisir, ça me fait chier, je vais pas perdre ça. Avec Frey, voilà. Est-ce que je peux en mettre un autre? Non. Perte de contrôle. Hop là. Et direct derrière, on va se payer, on va se le payer direct. Voilà. Bah oui, moi j'ai vraiment du mal. Les graphismes, c'est super important et au bout d'un certain temps, j'y arrive vraiment pas, moi, personnellement. J'y arrive vraiment pas, personnellement. En termes de villageois, je suis comment? Hop là. Oh, en attente. Hop là. Hop là. Et des villageois, il y en a où? Allez, viens. Il y en a encore où? Ok. Ok. Lui, il fait quoi? Il va venir construire ça. L'hiver, il va bientôt se finir là, parce que je suis un peu mal en fait en termes de bouffe. Ah, ben voilà. D'accord, j'ai remporté la victoire par commerce. D'accord, bah on peut continuer à jouer, hein. Donc là j'ai déjà gagné. Donc la partie a duré un peu moins d'une heure et demie. Allez, faut que l'hiver il s'arrête là. Hop là. Je suis mal là. Donc, faut que j'annule. C'est quoi? Non, lui, c'est ça. Ouf. Oh la putain! Ça s'est arrêté pile poil au bon moment. Ça s'est vraiment arrêté pile poil au bon moment. Le territoire est attaqué. Ah.
C'est un droct. Allez, petit guerrier, on va former un groupe. Et lui, il fait quoi? Il me faut masse bouffe. Ok. Alors, bâtiment sans ouvrier, ouais. Va faire quoi lui? Ouais, transforme-toi en autre chose là. Ce bâtiment peut pas, ce bâtiment peut pas, ce bâtiment peut pas. C'est quoi ça? D'accord. Allez, va se transformer en érudit. Ah, un mouton. Bon, prochain villageois, c'est dans combien de temps? Prochain villageois, faut que je refasse un truc de mouton. Je me demande bien la Wyrne. Alors en termes de victoire, on est comment? Ouais, on va gagner normalement. Donc il part bien pour faire du savoir. Alors. Lui, j'avais dit qu'il irait où déjà? Qu'il irait faire un... Merde. Une bergerie. Ouais, j'ai 4 moutons. Ah oui, non, d'accord. Alors... Bim. Après, clairement, effectivement, soit c'est parce que leur but c'est qu'on joue à 4 contre 4 et faire des parties assez rapides qu'on finit en moins d'une heure, enfin en moins de 2 heures, soit clairement il va falloir qu'ils trouvent plus de choses à faire parce que là c'est vrai qu'effectivement j'ai déjà gagné la partie alors que je suis en normal sur ma première partie que je joue. Donc ça reste quand même assez simple. Ouais, le villageois il est là. Après je le transforme en soldat. On va essayer de monter là. J'aimerais quand même arriver à monter. Ah. On se fait attaquer. Mais alors moi je crois que j'ai de la chance, je me fais absolument pas attaquer chez moi. Là c'est pas chez... Ah si c'est chez moi là. Ok, là aussi c'est chez moi. Donc on verra bien. Bon là ils vont être bien reçus. 20 euros c'est si tu achètes sur Steam, mais tu le trouves par exemple sur GamesPlanet je crois à 15 euros. Et bon, bah, de toute façon, comme on l'a dit, hein, pour l'instant, c'est qu'une bêta. Hein. Techniquement, le jeu va être mieux hein, par la suite. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein, c'est obligatoire. J'avais envie de la sortir, cette expression. Écoute, Crâne, au moins l'avantage, c'est que je vais le tester pour toi et tu le verras avec moi. La prochaine fois qu'il y aura une mise à jour, je le ferai. Parce que là, c'est vrai que comme je viens de te dire, je viens de faire le tour. Donc là, effectivement, bâtiment. Il est où le mouton? Hop là.
Mais après, voilà, comme j'ai dit, c'est clairement un jeu où le but c'est de s'affronter à plusieurs. Donc c'est difficile de s'apercevoir de ce que le jeu peut proposer quand, bien sûr, tu ne le vois que comme ça, en fait. Là, j'ai pas fait de baston, quoi. Et moi, j'aime pas jouer en PvP sur ce genre de jeu. Donc c'est vrai que je suis peut-être pas la meilleure des cibles. Mais là, pour l'instant, j'apprécie. Enfin, la partie, moi, elle m'a plu, hein. Le fait de découvrir, d'avancer dans tout ça. C'est quoi là? C'est qu'on va se faire attaquer? Ouais, invasion de Drogt. Par contre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à soigner mes putains de gars. Ça, c'est pas très bien fait. Bon, je suis tranquille en termes de bouffe. Il est où? Faut que je reconstruise un silo. Je peux construire un silo. Bah, là-haut. Voilà. Et toi, t'es où? Tu vas me construire mon silo, s'il te plaît. Après, franchement, quand on voit ce qu'ils ont fait avec Evoland, parce que c'est le même studio, quand on voit ce qu'ils ont fait avec Evol sur Evoland, j'ai pas trop de doutes sur la profondeur. Là, c'est un jeu. Evoland, il n'y avait pas besoin vraiment d'early access. Parce que sur la raison, c'était une histoire. Tu avançais dans une histoire et puis c'est tout. Là, je suis en train de me perdre dans ce que je veux dire. Hop là. Là, il y a de l'intelligence artificielle, il faut jouer, il y a de l'équilibrage. Et donc, ils sont obligés de faire un simili early access, sauf s'ils s'appellent civilisation ou genre de conneries et qu'ils peuvent se permettre. Moi, j'aime bien le fait que tu aies des tuiles, que ça dépend les tuiles, si elles sont bien agencées et tout ça, tu peux mettre plus ou moins de bâtiments. Il y a de la réflexion derrière, il y a de la logique, et je pense que contre d'autres personnes très douées, il faudra vraiment gérer à, par exemple, quand il y a une forêt, vraiment mettre tous les bûcherons dans la forêt, quand il y a une carrière, mettre les mines que quand tu as tel ou tel développement. Et il y a encore pas mal de choses que j'ai pas vues, donc effectivement, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. On va bientôt se faire attaquer, après il y aura l'hiver, et une fois que l'hiver est terminé. Hop là, je vais faire un peu plus de guerriers. Hop là. On va essayer d'attaquer la Wyrne. Ok. Hop là. On fonce. Oh, ils se font défoncer. Ça peut être le moment d'en profiter. Ça peut être le moment d'en profiter. Oui, effectivement, après, pour être similaire, il l'est, hein, je dis absolument pas le contraire, hein. Il y avait quoi dans ce... Cette zone est vide. Ok. Alors, est-ce que j'en ai un? Ouais, parfait. Et on va construire une tour de défense pile poil là. Hop là. Bon, on attend la fin de l'hiver et une fois que l'hiver est terminé, on va attaquer. Alors là, l'avantage, c'est que techniquement, avec le marché, je peux tout acheter. Ouais, j'ai de la thune. Je peux me faire plaisir. Je peux améliorer les pêcheurs et parfait. Donc toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toi. Qu'est-ce qu'on fait de toi? À la limite, chez les bûcherons. Est-ce que j'ai un autre camp de bûcherons? Bon, allez. De temps en temps.
Les cartes sont grandes, je ne sais pas, mais je pense que j'ai déjà visité. Enfin, je vais essayer de gagner là, hein. Je vais continuer pour faire toute la zone. Mais je pense que ce qu'on voit là sur la minimap, c'est la moitié de la taille de la carte. Pour l'instant, on peut jouer qu'à 4 joueurs. Construction, qu'est-ce que je pourrais construire? Rien qui est constructible là. Hop là. Hop là. On va te faire te transformer. Et toi aussi, tu vas te transformer. Et on va aller attaquer, comme j'ai dit, à la fin de l'hiver, on attaque le. Et après, je sais pas du tout la génération. Comme j'ai dit plus tôt, c'est ma première partie. J'ai jamais joué pour l'instant à ce jeu. En fait, je l'ai eu aujourd'hui grâce à mon partenaire GamesPlanet, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, bah, je peux pas dire. Nous avons accès cumulé. Construction navale. Réduit le prix de marché. Voilà. Bim. Voilà, donc là j'ai eu la victoire sagesse. Non, 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 non. Là par exemple, je suis très ami avec Frey, qui est ici, mais je suis ennemi avec Randveig, parce qu'il a essayé de m'attaquer, donc je me suis pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire. Hop là. Allez, go. On va essayer de. On va essayer d'aller attaquer la Wyrne. Et si je bats la Wyrne. Bon, bah, non, en fait, je vais revenir. Parce qu'ils ont décidé de me casser les couilles au moment où j'allais faire autre chose. Enfin là, je vais pas. Enfin, d'après moi. Comment ils ont fui comme des tapettes, quoi. Ah, je peux pas y aller. Ah, ça, je savais pas. Donc, en fait, sans éclaireur. Je peux pas savoir ce qui se passe. Ça veut juste dire que par contre ils vont me casser les couilles. Donc je vais prendre que la moitié. Non. Je vais en laisser trois là. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Oh, les rats s'en sont pris, ok. Bon, on va aller défoncer ça. Voilà, c'est tout. S'ils veulent jouer. Si c'est leur but de casser les pieds, on va aller se faire une belle petite défense comme il se doit. Voilà. Construire.
Il est où l'éclaireur? Où est mon éclaireur? Ok. J'aimerais pouvoir te demander d'éclairer à l'endroit où je veux. Allez, à plus, Icebreaker. Pas de soucis, t'inquiète pas. Comme d'hab, ça me dérange pas. Si c'est important. Hop là. Voilà, s'il te plaît. Éclaircis-moi là-bas. Mon éclaireur. Hop là. Non, faut que je me refasse un érudit, même si j'ai pas compris comment ça fonctionne. Voilà, construire une tour. Je peux pas en mettre plusieurs. C'est en mode auto, hein. Mais ça veut surtout dire une chose, c'est que d'après moi, je suis tranquille. Bâtiment en feu. Arrête un peu. Tu soignes là, hein. Tu te fais plaisir un peu. Ouais. Bon, alors en fait, c'est quand même important les soigneurs. Donc faut quand même que je fasse gaffe. Bon allez, non. Je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ok. Ben, on va leur prendre tout leur territoire sans exception. D'ailleurs, en fait, on n'a pas besoin de mettre tout le monde, juste un. Non mais oui, complètement, et j'assume que ça se dégrade. J'assume tellement. Hop là. Alors, foyer, menuiserie réduit, le coût d'amélioration des bâtiments, le commerce. Hop là. Même si je commerce plus vraiment. Allez, rentre là. Coloniser. Tout, 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 tout. Là, le but, hein, c'est vraiment que je réussisse avec en ayant tout rasé, tout nettoyé, pour voir un petit peu ce qui se passe par la suite dans le jeu. Mais sinon, la partie est gagnée depuis un moment. Hein. Hop là. Eh ben. Il a oublié. Hop là. Allez. Donc il y a un système de gestion de tuiles.
Voilà, parfait. Oh, ils ont fui. Oh, c'est tellement moche comment ils ont fui. Comment j'aurais honte à leur place? De fuir comme ça. Toi, tu vas rentrer là pour être soigné tranquillement. Et d'ailleurs, l'érudit, il fait quoi? Non, c'est pas l'érudit, c'est le guérisseur. Ok. Hop là. Allez, on colonise. Il est en train de me trouver. Ouais, parfait. Hop là. Réparer. 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 Voilà. Alors. Ok. Allez, go. On défonce tout là. Ils ont voulu jouer au grand. Mais ils auraient pas dû. En termes de villageois. Ouais. J'ai de quoi envoyer des villageois là. Bûcheron, j'ai pas besoin. Hop là. Allez. Non mais complètement, je déclare complètement la guerre. Alors, comme j'explique, mange Thomas, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai des doutes. Pour être franc, le jeu, je l'ai terminé. J'ai terminé une game. Alors après, c'est un jeu où le but c'est de jouer à plusieurs. Donc dans ce cadre-là, de jouer à plusieurs, bah, les games sont infinies. Tu rejoues autant que tu peux, quoi, en fait. Là, après, voilà, ça reste quand même rapide. Alors c'est un avantage, parce que ce genre de jeu, en général, ils ne le sont pas. Donc voilà, enfin après c'est à toi de voir. Moi je le trouve bien, mais avec quelques défauts qui sont dus à sa jeunesse, parce que le jeu est très jeune. Aujourd'hui c'est vraiment une early access, donc voilà, c'est. Je sais pas trop si ça te renseigne comme tu le souhaites. Hop là. Ah merde! Alors un éclaireur de plus. D'ailleurs, deux éclaireurs en fait, ça ira plus vite. Enfin, je vais reprendre depuis le début. En gros, au début, tu démarres, t'as qu'une seule case. Sur tes cases, quand tu cliques dessus, tu sais combien tu peux construire. Là où j'en suis avec mes recherches, je peux construire par exemple 6 bâtiments. Au début, je pouvais en construire que 3, 3 ou 4. Le but est de gérer. Pour acheter les tuiles qui sont tout autour, il te faut de la nourriture. Et après, c'est un système de balance entre la nourriture, le bois et l'or pour pouvoir construire, améliorer et avancer.
Tu as trois styles de victoire. Tu as la victoire par la sagesse que j'ai déjà atteint, donc en réussissant un certain nombre de choses. Tu as la victoire par commerce, donc en accumulant de l'argent, et de la victoire par renommée. Donc la renommée, pareil, c'est un mélange. Hop là. Ouais, donc il va se faire défoncer en 2 secondes. Ou la victoire donc par renommée, donc c'est pareil, c'est marqué, hein, donc faut contrôler 12 zones, avoir une renommée de 1000, construire un hôtel des rois, donc ça j'ai déjà tout fait. Donc la seule victoire qui me reste, c'est la victoire par domination. Hop là. Et on répare, même si c'est pas moi, on récupère. Hop là. Non, en fait, je m'en fous de ce bâtiment, je vais le détruire. J'aurais pas dû le réparer, je suis con. Guérisseur, mouton, brasseur, marchand, bûcheron, fermier, éclaireur. Ok. Ils vont éclairer de ce côté. T'as un système de cycle de mois, d'années, ici, avec quand il y aura des choses. Des problèmes, tu le vois, ils sont identifiés. Donc là, il faut que je grimpe mes ressources de bois parce que je vais avoir un séisme et je vais devoir réparer. Donc tu les connais à l'avance. Merde. Là, mon but, c'est d'avoir l'armée la plus puissante possible pour pouvoir tester de défoncer la wyrne. Il y a une wyrne qui est ici. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Je connais pas son visuel, donc. Hop là. D'ailleurs, je vais pouvoir le détruire. Et on va pouvoir se recentrer un peu plus. Ouais, pareil, je vais le détruire. Hop là. On en met un là. Et un ici. Et là, on va pouvoir choisir une route commerciale. C'est quoi? C'est le bois surtout. Le bois avec Frey. Ah, je viens de voir que. Voilà. Ben go, hein. Alors normalement, une fois que j'ai détruit ça, c'est fini, hein. C'est fini pour eux, en tout cas. Séisme. Alors, réparer, 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 réparer. Alors là, le but c'est juste de tout réparer. J'ai largement les ressources pour. Normalement. Oh. Et si je les répare pas, elles se détruisent complètement au bout d'un certain temps. J'ai vaincu le clan des Ravnaït. Voilà. Donc ils vont arrêter de me casser les pieds. Et là maintenant, vu que je suis ami avec les derniers. Ah oui, non, mais je peux pas. Je ne peux plus.
Ouais, donc c'est bien ça, j'avais quasiment découvert la map entière. Enfin, il me reste vraiment que le bout en bas. Allez, go. Oh oui. Ah, elle fait quand même sacrément mal, hein. Elle tape, hein, elle tape. Donc effectivement. Oh non. Détruire. Hop là. Oui. Alors. Territoire attaqué. Non mais t'es sérieux? T'es vraiment sérieux le gars? Ton but c'est vraiment de me mettre en pétard quoi. Ok. Ils veulent se la jouer comme ça. Lol. Donc là, t'es juste en train de me dire que tu veux vraiment jouer à ça, monsieur. Alors, je tiens juste à te dire que de toute façon, tu vas te faire défoncer de ce côté. Donc moi, on va commencer à venir par détruire tout ça. Vu que ton but c'est d'être en guerre, ben on va jouer à deux. Sadique. Bon après, je suis en train de me dire, est-ce que je connais sa base de base? Son premier bâtiment? Non. Ah si, bah il est là. Bah go. Non, je peux pas y aller directement. Ah, je peux pas y aller. Je suis obligé de faire zone par zone. Ça, c'est bien aussi. Donc, je suis obligé de récupérer toutes ces zones au fur et à mesure. Je peux pas directement aller au fond. Et on fonce.
Bon, par contre, c'est vrai que c'est effectivement un peu long quand même. On va récupérer juste la moitié. On va aller garder ça. Hop là. Ah merde, j'ai pas vu. Et on les emmène là, parce que sinon ils vont se faire attaquer. Fais chier, mes villageois. Oh, pile poil au moment où j'arrive, il finit quoi. Ouais, bûcheron, on dégage. Et ça saute. Hop là. Okay. Ah, il me casse les couilles. On en garde un là. Si c'est le but. Hop là. On en met un là, un là. Et pour l'instant, ça irait bien. On en met un aussi ici. Voilà, s'il faut en mettre à chaque fois un. Hop là, j'en mets un aussi ici. Là, j'ai tout exploré, tout exploré. Il reste juste là derrière. Bim. Allez. L'avantage, c'est qu'il va se faire soigner. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend juste eux qui sont blessés et on les renvoie derrière. Oh merde.
Ah bah parfait. Bim. Oh, c'est bon, je suis tranquille. Hop là. Oh mais non. On attendra un peu encore. Hop là. Ouais. J'attaque de tous les fronts, je m'en fous moi. Là. Ouais, bientôt récupéré. On passera à la zone d'après. Comme d'hab, en lançant juste un. Hop là. Donc celui-là. On décale ici. Et cela, on récupère ici. Et en plus, les défenses sont mauvaises parce que du coup, ce qui se passe, c'est que là, la tourelle, elle sert à rien. Regarde. Pim. Dans le cul. Dans le cul. Hop, 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 hop. Allez, envoie-les-moi au fur et à mesure que je te défonce tout. Bon bah. Ouais, il suffit juste de mettre quelqu'un. Bon bah là, je suis complètement victorieux. Donc c'est terminé. Bah vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai gagné. J'ai gagné, il est que 23h35, mais bon, j'ai pas envie de me lancer sur un autre jeu. Je crois que lundi on ira faire un tour sur Endless. Dungeon of the Endless, je crois que c'est ça mon cœur. Dungeon of the Endless. Dungeon of the Endless. Pareil, j'ai envie d'y jouer un petit peu. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Hop là. Voilà. Ben voilà. On a gagné. J'ai fini. Oh, la petite map. Je suivrai les mises à jour qu'il y a sur le jeu. Et comme ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Peut-être qu'on se refera un autre live quand il y aura plus de nouveautés. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai plutôt bien apprécié le jeu, même si clairement aujourd'hui il est un peu. J'aime pas le terme fade, mais c'est quand même ce que j'ai envie de dire. Il est fade sur le point de vue où il est en développement. Pour moi, ça serait une erreur de le laisser tel quel. Parce que là, ça permet que des parties d'1 heure, 1 heure et demie, je pense que même pour des gros joueurs qui vont optimiser, si le but c'est de faire du compétitif, ça peut même durer beaucoup moins qu'1 heure. Et donc ça pourrait être embêtant.
Après là, sincèrement, j'ai beaucoup aimé ma partie. J'y rejouerai dès qu'il y aura des nouveautés. Donc voilà. Si vous croyez en eux avec ce qu'ils ont pu faire sur sur Evoland, allez-y. Si après vous êtes un peu frileux, des early access pas finis, retenez-vous. Après, passez sur Games Planet pour récupérer votre jeu. Si vous le souhaitez, si vous avez envie de l'acheter, ça vous le fera payer moins cher. Et puis voilà. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager si vous regardez la rediff sur YouTube. Et puis, comme d'hab, je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde!